C'est bon? Bon, premier d'abord, laisse-moi vous souhaiter la bienvenue à tous mes camarades journalistes qui sont présents. Et aussi, au nom du gouvernement, nous présente nos sympathies à la famille royale suite au décès de la reine. Et en même temps, nous félicite le nouveau roi qui pourrait être couronné aujourd'hui. Et comme je vous pour rappel, il y a quelque temps de cela, certainement économiste, cité cause l'ON double digit d'inflation. Et moi, bien dire que la situation depuis l'année passée, malheureusement, pas fin améliorée. Et ici, même pour le mois d'août, là, l'inflation stagne à 11,5% quand nous comparons à août l'année dernière, côté 6%. Et quand nous causons l'inflation, évidemment, ça, nous ne sommes pas capables comme si déconnecter avec une augmentation qui finit là. Comme conséquence, et je vous aussi rappelle que nous t'y prévoyons dans nos actions. C'est pour ça que le gouvernement vient de l'avant pour mettre un maximum markup sur certains produits de base pour effectivement empêcher que le prix de cette commodité-là continue d'augmenter considérablement. Et en tant que ministre du Commerce, moi, bien dire que finena, nous finons à cesse sur l'effet, finena un effet positif, quoique ben produit peut continuer d'augmenter au niveau international, et c'est-à-dire à l'importation. Et ici, avec le maximum markup, nous trouver que le prix nous peut capable de contenir le ben produit de base. Et il y a beaucoup de monde, malheureusement, dans la tête, je pensais que le gouvernement, derrière l'augmentation de la prime, vous a fait ressortir à la population qui, tout le monde, food commodities qui viennent de Maurice, c'est importé par ban importateur et je paye le prix qu'ils ont payé. Avec ce ban supplier. Et quand ça m'a produit là, Ville Maurice, bien sûr, je soumets ce ban chiffre à la MRA et par la suite, je détermine le prix de vente. C'est un ban produit qui a été dans mon supermarché ou dans mon différents commerces. Le gouvernement peut en avoir à faire avec ça, mais ce qui nous capable de faire, nous, c'est amène un élément de contrôle sur ban prix. C'est ce qui nous fait pour certains ban produits. Et moi, je veux dire, nous pouvons continuer à monitorer et suivre la situation. Et si le besoin pour faire, si le besoin est, nous pouvons continuer à mettre un contrôle sur ban différents produits alimentaire. Et là, l'association de ban boulanger récemment type demande une augmentation le prix du pain. Et cette requête n'a pas date hier, depuis un bon bout de temps maintenant, je peux dire que je peux subir ban déficit et le coût que je peux produire du pain n'a pas dans l'avantage. Alors, si tu demandes une hausse assez conséquente, si tu peux, à un certain moment, si tu peux cause pour vendre le dix pas maison à 4 roupies, quelque chose, ou 5 roupies. Mais nous finissons beaucoup de consultations avec eux et nous t'y dit dans le budget qui est présenté par le ministre des Finances qu'il nous faire tout pour maintenir le prix du pain à 2 roupies 60. Ce qui nous fait. Nous faisons une bonne concession, pour bien dire. Je t'in demande, par exemple, une concession l'eau diesel, électricité et aussi l'eau, la farine. Nous, déjà,
le gouvernement donne subside à la hauteur de 84% l'eau, la farine pour contenir le prix du pain. Et là, ce qui nous fait décider, c'est pour donner un petit relief le prix du diesel qui est acheté et aussi un pourcentage de baisse le coût de l'électricité. Et ça, il fait en sorte à ce qui nous contenir le pain. Quoique, ben là, je n'ai pas trop d'accord avec, avec ça. Je peux dire que le gouvernement vous a donné plus, c'est-à-dire donne vous encore subside dans la farine. Mais je prends bonne note qu'hier, dans, avant-hier, c'est-à-dire dans cette assemblée de délégués, je ne finis d'accord avec la proposition du gouvernement et je décide pour maintenir le prix à 0,60 et je remercie les autres pour ça parce que quand une cause des efforts nationaux, nous trouvons que certaines bandimounes, je peux faire, je pas d'efforts et nous bien reconnaissant pour ça. Cause un peu l'offrette. Pas de secret pour personne maintenant qui le fret s'in accuse pan os considérable depuis deux ans maintenant et les nous guette l'évolution du coût du fret sur le marché international nous remarquer qu'il finit une légère baisse le ban fret et nous pas besoin de ce lot-là qui nous pour nous expecte qu'il va le prix pour baisser et ça va une baisse de ban différents frets là li déterminé par rapport à qui la ligne il y a plusieurs lignes maritimes qui en a disons la ligne l'Asie-Ska méditerranéen finalement une baisse de 3% et par contre les autres lignes côté finina une baisse de 4% et il y a une prédiction qui pourrait davantage de baisse et nous pour comme si ça prenait l'effet l'eau ban prix de ban commodité qui est importée pas dans l'immédiat, c'est bien sûr dans la prochaine cargaison qui rentre à Maurice. Motinko Dipin de Wills Marsh, je tout connais, nous mettons la STC, nous lance un appel d'offres, nous mettons l'huile comestible sur la marque de Smash sur le marché et tu peux vendre à 75 roupies. Et 600 et quelques mille litres finis écoulés. Là, nous relance un appel d'offres et nous permettent sur le marché encore un, c'est-à-dire 600 000 litres d'huile dans un jour qui vient de la distribution infinie commencée. Et ben, le consommateur pour capable acheter l'huile à 75 roupies. Et il y a beaucoup de questions qui finissent posées par rapport à qui faire et il y a un manque de l'huile comestible sur la marque Smash sur le marché. Nous bien comprendre l'affaire. STC n'est pas là pour rentrer en compétition. Nous ne venons comme un soulagement. Bien sûr, Ban Mauricien. C'est-à-dire, je consomme en moyenne 2 millions de litres par mois de l'huile comestible. Alors, pour capable préserve la compétition et nous pas capable comme si Vini take over the market, sinon gouvernement, STC, pour un problème, pour une poursuite. D'ailleurs, il y a un importateur qui poursuivre la STC devant la cour du COMESA et aussi fin rentre un case ici à la Competition Commission quand la Competition Commission peut faire sur l'enquête et nous laisse faire sur l'enquête en toute indépendance.
Et il y a une autre nouvelle qui m'a pour annoncer, nous évoque la question d'importation du lait aussi, que nous sommes capables de venir à un prix raisonnable. Et la STC est fin faire sur tout le procédure et la manque du lait qui peut être commercialisé dans les jours à venir. Bien sûr, elle est sous la marque de Smash. Et ça dit là, elle est capable d'être comparée pareil comme un dilé qui peut vendre une grande marque. C'est-à-dire une grande marque qui peut vendre depuis Nouvelle-Zélande. Et ça dit là, elle peut être vendue dans la fourchette de 250 à 255 roupies. Et quand nous comparons ben, les autres marques qui peuvent vendre, même qualité, et beaucoup moins cher qui savent les autres marques là. Alors, la population a un choix devant lui. Maintenant, c'est à eux de prendre cette décision. Nous pouvons continuer le travail. À un certain moment, si il y a une menace de la part de mon importateur de mon pulseuse, l'anti-gramme, tout ça, tu peux dire comme ça, à cause nous finissons mettre le maximum markup, je ne peux pas trouver, je suis en mesure pour capable importer, je ne peux pas vendre à tes losses. Les STC, ils commencent à mettre gros poids, ils commercialiser et nous trouver qui, je ne finis backpedal lors de menaces, alors je ne continue, vendre, je ne vends produits. La STC, paie à l'ambition. En Inde, nous signons un accord avec NAFET et le directeur général et son officier paie à l'Inde la semaine prochaine pour joindre NAFET, pour négocier, pour capable importer plusieurs food commodities. Par exemple, du riz, de l'huile, des grains secs. Et je n'ai aucun doute que sa mission-là est un succès, quoi, parce qu'il y a déjà un MOU. Là, il reste à négocier ban conditions et aussi ban prix de différents produits qui nous pouvons importer là. Et une affaire, avant de te poser la question, hier, il y a une association qui représente les consommateurs et fin évoque la question, fin dit que le prix de les produits pétroliers lie à la baisse et l'IP expect qu'il pourrait une baisse de les prix pétroliers dans quand le PPM joigne très bientôt. Laisse-moi dire une affaire, le PPM l'IPZOEN le 18, l'IPZOEN avant le 18 septembre là, et vu qu'il est 18 un dimanche, peut-être qu'il peut bien joindre plus avant, mais PPM là l'IPZOEN. Il y a plusieurs facteurs qu'il y prend en considération pour déterminer le prix du diesel ou l'essence ou les autres produits. Et il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de considérations qu'ils prennent. Moi, je prononce moi, Lola, parce que PPM, quand même, lit un comité indépendant qui détermine le prix en se basant sur différents paramètres qu'ils ont besoin de prendre en considération. Et à la lumière de cette décision, le gouvernement pour appeler à prendre une décision sur la question. Et nous attendons PPM, Zouen, Léla, nous avons écouté qui m'a recommandé. Léla, nous pour prendre une décision sur la question. Si effectivement pour maintenir le prix comme il était là ou peu importe qui décision si ben là décider qui le juger qui besoin d'une augmentation ou besoin d'une baisse nous guetter un coup là il est trop bonheur pour nous capables comme si jump to the conclusion et faire une annonce qui du monde peut expect nous faire.
Et bon, il y a une lettre d'affaires très important qui m'a besoin dire. Il y a un gros problème le marché international concernant man food commodities. Comment je fin constater l'aine fin ban exportation de wheat, c'est-à-dire sa même matière première pour faire la farine. Et ça, il a un impact le prix à l'international de sa commodité-là. Et nous, STC, pour lancer bientôt tender pour capable acheter la farine pour une période de un an. Alors, nous pouvons faire tout pour un show qui nous capable acheter un prix raisonnable, nous en négociation avec beaucoup de suppliers pour faire en sorte à ce qu'ils ne nous pas une surprise. Parce que la farine qui nous consommait, il y a un produit de base. Et le gouvernement met beaucoup de casse pour capable subsidiser la farine pour les vendre, pour être vendu à un prix raisonnable. Mais dans l'intention pour dans même la ligne de nos philosophies et nous payer make sure qui nous travaille d'arrache-pied pour un show qui ne pas gagne aucune surprise. Et voilà. Ça, c'est concernant l'aspect du commerce. Laisse-moi faire une petite annonce. Le MITD finance une application qui appelle le Maintenance Pro App. Bientôt, vous pouvez aller à Apple Store, le Play Store, tout ça là. Et sa application-là, qu'il y fait? Souvent, des fois, tout le monde, vous êtes de te faire complainte comme quoi peine la main-d'œuvre qualifiée à Maurice. MITD, l'institution qui est en charge pour la formation, il y a une database de tout bon jeune qui finit être formé dans différentes filières techniques, qui lient électrique, plomberie, landscaping, aircon, une panoplie de bancos qui nous donnait. Alors, avec consentement de ce jeune-là, nous décidons pour développer une application code. Nous pour enregistrer ce jeune-là, là, et que lundi, nous pérode un électricien, soit une entreprise, pérode un jeune qui a certaines qualifications techniques, je suis capable facilement de gagner accès à ce personne-là. Et lui, pour pas raison. Disons, moi, j'ai une entreprise, j'ai recherche 4 jeunes, Kadimoun qui a une formation en électrique dans la région de Moka. Je clique le Moka, je gagne la liste de bonnes personnes qui a sa compétence là. Et moi, je approche cette bonne personne là, dans notre numéro de téléphone et tout. Et je demande si je suis intéressé à travailler dans mon entreprise ou si je suis un entrepreneur, si je peux besoin de service et je gagne accès facilement à notre service. Nous avons l'intention de faire libre pour tout ban trade. D'ailleurs, en tant que ministre du Travail aussi, nous travaillons le même modèle pour faire en sorte à ce qu'il pas ban dimoun al vers ban travail, c'est ban travail vin vers sa ban jeune là. Nous pouvons continuer de travailler là. Et voilà, c'est tout ce qui me tient là pour dire tout à l'heure, bien sûr, pour welcome votre question. Et sans plus tarder, je passe au camarade Vinache. Merci. C'est qui est décédé à l'âge de 96 ans, après presque 70 ans de règne. Et nous penser, et avec le peuple britannique, et ce même proche bien sûr, c'était une grande perte non seulement pour la Grande-Bretagne, mais également pour le Commonwealth et pour le monde en entier. Laisse-moi souligner que le cabinet hier prend la décision que
le jour des funérailles de la reine, nous pour observer le deuil national et depuis 6 heures le matin jusqu'à 6 heures l'après-midi, tout ben drapeau, lors ben bâtiment public pour en bien. L'actualité oblige, après nos dernières conférences de presse que nous tient annonce, ben turbulence qui est là au sein du Parti du Travail, c'est pour ben raison qui nous finit évoquer, et ben éventuelle démission qui peut être dans le parti, ben nous nous trouver le lendemain, nous nous trouvons la démission de Mme Kalyani Diogrou. Et quand nous disons Mme Kalyani Diogrou, c'est pas n'importe qui au sein du Parti travailliste, secrétaire général, parlementaire, ancien parlementaire, nous occupe un poste de responsabilité type PPS, un membre influent du parti, qui fait beaucoup l'année au service du Parti travailliste, et il claque la porte, il quitte le parti, il y a allé, et lors de ce conférence de presse, lui-même, il évoque ben raison qui fait l'in quitter, et je capable de dire autres que ça, c'est un parmi même plusieurs les autres démissions qui pouvaient venir d'un futur assez proche. Et je pense que c'est normal, ça. Ben raison là, assez claire, ben raison là, assez évidente, que pour une ben démission qui pouvait venir. Parce qu'ils ont dit qu'on nous guette, comment on dit la dernière fois, qu'on nous guette le Parti travailliste, aujourd'hui, il y a une partie sans répit, sans aucune direction, sans aucune vision. Et surtout qu'il ne passe pas une crise aujourd'hui, une crise au sein du parti, une crise de leadership. Clairement, le Parti travailliste aujourd'hui en perte de vitesse. Comment nous situons ça? Érosion très assez récente au sein du MMM. Plusieurs ben membres ont quitté, ben candidat qui suppose, éléments qui suppose candidat de la dernière élection qui ne claque la porte, il n'a allé aujourd'hui, nous pétrons même au sein du Parti travailliste. Mais quelle est la raison ça? Aujourd'hui, quand un grand parti qui auparavant n'a pas une idéologie, une philosophie, qui peut opérer selon certains mêmes principes, selon certaines mêmes valeurs, mais qui, avec au fil du temps, venait loin et avec ces mêmes principes-là, avec ces mêmes philosophies, avec une idéologie politique qui se sont adoptée, l'au base laquelle je t'ai créé, quand on dit, vous trouvez que c'est la motivation qui est là pour cette même partie-là, c'est le soif du pouvoir. Comment pour regagner un pouvoir, comment pour gagner un poste de responsabilité. Et surtout avec tout ce qui nous peut trouver, tout même casserole qui se peut sortir. Ben, il est assez clair que ben Dimoun qui ne vient pour servir le pays, ben Dimoun qui ne vient avec ben l'intention propre, ben l'intention noble pour servir ce pays, pour travailler pour le pays, pour travailler pour le peuple. Mais quand cette idéologie, cette philosophie n'est plus aligné avec comment cette partie fonctionnait, ben il est clair qu'ils ont quitté ce talent. Nous ne trouvons pas, comment me dire, de MMM. Là, nous pouvons trouver d'un parti travailliste, surtout après qu'il nous gagne un jugement dans l'affaire Kofor, quand il demande la cour intermédiaire. Maintenant, écoute l'affaire dans le fond, mais surtout devant un nouveau bench of magistrates. Et mon étonné, l'étant aujourd'hui, ça fait la révine devant Intermediate Court, moi étonné, moi tout parti travail, aujourd'hui, révine cause la loi financement parti politique. Zis, moi sous l'impression, zis pour divert la tension, ou le real issue. Financement parti politique, comme on tente ça, l'hypocrisie des ben discours pareil. En 2019, le gouvernement vient avec la loi au Parlement pour venir adresser sa problème de financement de partis politiques. En 2019, vient avec la loi pour demander à un parti qui a beaucoup plus d'accountability et a beaucoup plus de transparence dans ce ben compte. Ça, l'époque-là, quand le Premier ministre trouve important à la veille d'une élection générale, présente au Parlement, présente au pays la loi, qui pour permettre qu'il y ait une visibilité
le tout même compte de même parti. L'opposition qui se travaille, qui se MMM, et tout même les autres partis de l'opposition, autres tout qualité prétexte, autres tout qualité raison, surtout même raison qui partenait à la route pour une oppose à l'introduction de ce texte de loi. Je dis où la loi là pas bon, je viens avec toute qualité raisonnement et en paix qui nous est là, en la loi qui type pour PME de Zodi là, type pour PME de Zodi adresse plusieurs ben issues et qui chaque parti politique nous connaît qui se souce de financement, nous n'a accès à ce compte et nous comprend qui peut arriver. Là, je dis quand qu'est-ce qu'il faut réel devant intermédiaire de côte, vine cause la loi, le financement politique. Quelle hypocrisie. Et moi, maintenant, me pose la question. Me pose la question pour ce travail. Si vraiment, en toute bonne foi, ou peut envie qu'il y ait la loi, le financement politique, la loi, le financement parti politique, si vraiment, ou sincère dans la demande pour une loi pareille pour le pays, mais avant cela, je fais une demande, avant cela, venez expliquer que ça descend 120 millions à sortir. Aujourd'hui, nous déjà connaissons qu'il y a des 120 millions dont la provenance en cours sombre. Nous n'avons pas connu que sortir. Ce qu'il n'y a pas aucune explication. Avant, dans les passés, on finit montrer où l'intention quand on oppose à ça, voilà. Je vous dis, pas venir faire une demande creuse, avant qu'il vous vini montrer la population ou bonne foi, montrer la population qui vous sincère dans l'approche, et venir expliquer côte provenance de sa casse qui dit de faux là. À partir de là, nous venons cause, nous venons récause. La loi, le financement politique. Parce que, ça c'est qu'ils ont pu causer là. Moi, je m'aurais dit, ils peuvent causer juste pour plaire à la galerie, ça. Juste pour une divert attention, ça. Si vraiment, je suis sincère dans cette approche, ben en 2019, ça, la loi, là, tu peux déjà fini introduire, tu peux fini voter dans la loi. Et aujourd'hui, nous, pas, tu peux faire face, ben, situation qui peut faire face. Alors, je m'aurais fait l'appel. On n'a pas vu faire ben grand discours, n'a pas vienne faire ben grand conférence de presse, vienne mettre de l'avant ben suggestion, ben recommandation au gouvernement. Le gouvernement, avec à la tête le Premier ministre, beaucoup ben sujets in fine adressés, beaucoup ben réformes in fine apportées. Quand nous cause la drogue aujourd'hui, nous connaissons le combat que le Premier ministre a mené contre la drogue. Là, cette semaine, il y a encore plusieurs saisies de drogue qui ne font. Plusieurs saisies de drogue qui peuvent continuer à faire. Il met un nouveau équipe qui pourra aller pour aller faire une descente, pour aller faire une arrestation, pour aller pour faire une saisie. Aujourd'hui, il y a une réelle volonté du gouvernement, une réelle volonté du Premier ministre pour faire une réforme et pour adresser le problème de la drogue qui nous connaît et nuit à la société, qui peut nuire à nos belles enfants. Dans le passé, tout cela n'a pas existé, ça. Quand tu peux t'endé saisir la drogue, quand tu peux t'endé puis faire une arrestation, commission la drogue, combien de fois tu peux faire demande dans le passé, est-ce que tu mets en place une commission d'enquête la drogue? Non, tout cela, c'est un discours qui tu peux faire. Mais aujourd'hui, tout ça mène réforme là, tout ça mène action là, tout ça mène mesure là, puis prend pas ça gouvernement là. Alors, ce Morésien n'a pas venu faire la leçon, n'a pas venu dire qui bise à introduire, qui pas bise à introduire. Nous peut faire ce qui bise à faire. Et nous pour assurer que te mettre la main, travail à faire. Pareil comme à les courses. Nous connaissons qui mafia qui associé avec les courses. Faut des premiers ministres vini, il amène une réforme aujourd'hui dans le secteur de l'épice, dans les courses. Nous connaissons même mafia là, comment tu peux opérer avec certaines même partis politiques. Là aussi, nous amène une réforme. Une réforme sur le plan économique, sur le plan du secteur financier. Là, le ministre Siraton, il fait que retourne depuis une mission. Hier, il fait une conférence de presse. Mauritius, aujourd'hui, l'île Maurice, est compliant avec les 40 recommandations du FATF.
Ça, c'est un effort qu'il peut faire sur plusieurs secteurs, sur plusieurs plans. Que ce soit l'économie, que ce soit le social, ou que ce soit les autres secteurs, que le fléau qui peut affecter la société. Alors, je m'aurais dit à lui, l'opposition, souvent, nous oublie. Quand il y a un déo au pouvoir, il y a un langage, il y a un discours, maman, il faut l'étendre. Ma, bien bon pour écouter. Jolie, jolie proposition. Mais quand je suis au pouvoir, quand je suis dans la capacité, quand je suis dans le potentiel, quand je suis dans toutes les ressources pour amener une réforme, pour prendre une action qui désapprend, non, il n'a pas typé faire. Je dis, n'a pas vu avec ben discours, il n'a pas vu une cause, la loi, le financement politique, parce qu'il a échoué quand le moment est venu pour capable pour toute contribution et permettre que le pays aujourd'hui tu peux une transparence par rapport à même fonctionnement de même parti politique. Et il y a une demande qui me tu pourrais réitérer également, qui me tu fais la dernière fois. Connais aujourd'hui avec ben l'accord, l'entente, l'alliance qui peut essayer de faire, ben on-off qui peut essayer de négocier, ben tasse d'été qui peut boire de Riverwalk, ben m'aurait fait l'appel au MMM. M'aurait fait l'appel au MMM, m'espérer qui dans le cas qui devant l'intermédiaire, qui parle devant l'intermédiaire de court, le cas que faut, que lui pour insister et qui lui pour impose la condition au leader du Parti travailliste pour faire une demande d'un early trial. Et demande qu'ils aient fait la vigne la cour rapidement. Parce qu'ils ne vont pas nous nier par la suite et nous relance l'appel à MMM. Nous réitérer la demande. J'espère philosophie qu'ils ont tiennent pour supposément l'armée propre, pour supposément parler en alliance avec Benzimoun, qui a compétence, qui clean. J'espère c'est une philosophie, c'est un principe qu'ils ont pas adopté là. Et je vous demande qu'il y ait les trials de sa case-là, qui permettent à la population, qui permettent à tout le monde, trouve ce qu'il y a pour trouver dans ces affaires-là. Voilà, en gros, ce qui met ça à moi, tiens pour aujourd'hui. Maintenant, nous ouvrons l'espace pour une question de un journaliste. Comme on vient de dire tout à l'heure, c'est un importateur qui importe food commodities dans Maurice. Et nous connaissons à qui prix je l'impose, si je l'utilise à des autorités soumettre le ban posting à un marré. Là, je importe, je ne soumets de prix. L'évolution ne pas être ouvrie, ne pas être ouvrie, ça baisse. Et mon confiant qui dans ben moi qui peut venir dans mon future consignment et nous pouvons le observer certaines ben baisse l'eau, certaines ben produits. Écoutez, la STC, la litine fait ce deuxième appel d'offres, c'est-à-dire pour 600 000 litres là, nous nous finissons gagner à un prix réduit. Comparativement à premier appel d'offres qui nous finissons faire, et de ce fait, nous expectons que ben, les autres morts de l'huile comestible qui peut commercialiser par ben, différents distributeurs, je baisse ce prix parce que la même nous trouve une évolution le prix comparativement à premier stock qui nous tient au dedans. Alors nous pouvons monitorer la situation parce que de l'huile il y a un maximum markup pour l'huile et nous pouvons faire en sorte à ce qui dans ban jour ou semaine qui vient un nouveau stock qui met l'eau ban étagère
vont être vendus à un prix plus moins ce qu'ils peuvent vendre maintenant. Pour des Louis Smash, pour l'instant, il reste à 75 roupies. Nous pouvons rétablir la force du marché. Alors, ban importateur aussi, c'est bien comme si faire l'effort. Alors, nous pouvons expecter, once qui ce prix commence à baisser, là, nous pouvons revoir nos positions. Parce que l'huile comestible, l'eau marché international, finacuse en baisse. Ça, c'est vrai. L'Égypte qui tient ban la commercialisation de l'huile comestible, l'exportation plutôt, il réouvert. L'Indonésie, il réouvert. Alors, le prix, il peut stabiliser. L'Ukraine, il y a une cargaison qui tient bloquée. La décision a été prise pour qui achemine vers l'Afrique une certaine quantité de l'huile comestible. Alors, nous pouvons expecter que dans les semaines à venir, il y a une baisse. Oui, bien sûr. Pas d'importateur. C'est qu'il y a un business relationship avec les suppliers dans l'Égypte. Je ne réponds pas en contact. Et bien sûr, l'accord commercial, il reprend effet. Bon, supposer, pendant que tu peux importer depuis l'Égypte, tu ne recommences à importer. Justement. Ouais. Justement. Bon, la mission en Iran, Mobizan Zian, très bien passée. Et c'était principalement pour faire découvrir ban produits iraniens à ban importateurs mauriciens. Alors, moi aussi, j'ai gagné l'occasion, tâte le pou, interviewer et cause avec ban Dimoun qui sont en Iran. J'ai établi ban contact avec beaucoup ban suppliers là-bas. Et mon cas, j'ai dit que l'Iran, il y a une population de 80 millions d'habitants et les produire pour 600 millions de personnes qui l'y exportaient dans une région GCC's country et une région qui trouve près avec l'Iran. Alors, l'opportunité était là, présentée à la délégation qui tient accompagne moi, ban importateur, je prends contact avec ce ban counterpart, fin en a B2B meeting entre eux, et il y a beaucoup d'entre eux qui finit en tâme à l'étape là, parce que depuis le retourné, il y a trois semaines là, et je finis en tâme ban négociation pour importer certains ban produits alimentaires et non alimentaires aussi. Il y a un accord qui finit signé, IDB finit signé un accord, et la Chambre du commerce, c'est-à-dire MCCI, finit signé un accord avec son counterpart en Iran, et finalement la MTPA qui finit signé un accord aussi avec son counterpart en Iran. Et le Meher, une ligne aérienne qui s'appelle Meher, qui montre l'intérêt pour Vin Maurice et une négociation qui est en cours pour qui entre le Civil Aviation et aussi la MTPA pour faire en sorte que ça, la ligne-là, l'idée de Vin Maurice, et avec sa coopération-là, nous peut expecter qu'il nous gagne davantage de ban iraniens, touristes iraniens qui pouvine à Maurice. Et mon cas, j'avoue que ça l'engouement-là, pas fin juste de la part de Mahenir, fin aussi être évoqué par le Turkish Airlines, quand je peux considérer pour un tarif quand pour capable taper sa market là aussi. Il y a 6 millions d'Iraniens qui voyagent chaque année. Et je voyage principalement dans la région.
Et il y a beaucoup, d'ailleurs, quand je suis là-bas, tu organises un salon, un grand succès, quand il y a beaucoup d'opérateurs qui sont présents, qui montrent un keen interest pour vendre la destination mauricienne. C'est bien complexe. Bon, besoin de dire, et la philosophie du gouvernement, c'était comme si faire 125 000 familles bénéficier de ban produits qui la STC peut mettre dans ban commerce. Mais ça, il y a un long débat. Ça. Est-ce qui éventuellement nous target un certain groupe ou pas? Et ne pas comprendre aucune décision sur la question, mais en temps et lieu, nous pouvons capables de considérer. Bon, l'IP coûte l'État, vous pouvez demander un chiffre, mais plusieurs millions de roupies. OK. L'IP coûte l'État. Bon, c'est un chiffre là. Voilà. D'ailleurs, nous déjà, comme si la subvention qui nous peut donner à Man Boulanger, en termes de la farine, il arrive à la hauteur de 1,4 milliard de roupies. Ajouté à ça, nous peut donner plusieurs millions de roupies comme additional. Si vous avez qualifié comme subsidy pour capable maintenir des prix, nous pouvons appeler les comme ça. C'est... Bon, le structure du prix, c'est-à-dire ben, différents taxes ou ben, différents prélèvements qui fait dans le structure du prix qui détermine le ben, prix pétrolier, il reste pareil. C'est ce qui finit un ben, ajustement, nous finir, comment on finit évoquer, des roupies finir dans subsidy account, parce qu'il y a un contexte dans qui nous peut vivre. Et contexte actuel, tout bonne affaire finit d'augmenter. Et si nous pas augmente le subsidy account, il faut finir vite. Et nous pas capable, le gouvernement pas capable de donner. Quand vous trouvez casse, pour capable comme si subsidy reste ce qu'il nous fait là. Là, on évoque une possibilité qu'il y ait une hausse dans le prix hein, de la farine. Et d'ailleurs, gaz. Nous pouvons acheter à 680 roupies, nous pouvons vendre à 240 roupies. Et tout ça, là, bien trouve casse pour ça. L'État, est comme un père de famille. Il peut travailler, ou si madame Lampe travaille dans la case, il a un revenu qui est limité, quand il a une dépense pour faire. Pareil, nous avons besoin de trouver casse quelque part pour capable mettre en pratique. Ban mesure qui nous fin annoncer et vient en aide à la population. Comme si tu es gauche-droite, pourquoi pas pallier à ces événements. Bon, pour commencer, il n'y a aucune demande qui ne fait au parti. Mais ça, c'est bien sûr le bureau politique, la structure du parti qui peut prendre une décision qui bizarre, prend en temps et lieu. Là, à ce stade, moi, nous disons qu'il n'y a aucune demande qui n'est formulée.
et nous pour guetter dans l'avenir. Ajoutant ça, Karine Njagou, d'ailleurs, il n'y a pas intégré le MMM, le MSM. L'India qui y a beaucoup d'admiration pour Pravin Jagnat en étant jeune, un dimoun qui peut faire bien pour le pays et nous constater qui ben dimoun commence prend conscience hein, du leadership qui le premier ministre ena et vision qui ena pour le pays et si ben ex membre influential members de la partie de l'opposition. Puis comment se trouve-t-il? Moi, j'espère que la population aussi se trouve-t-il. C'est pas une rimer. Nous n'aurions pas fini dans aucune demande d'adhésion pour Kalani Djagou au MSM. C'est l'opinion, hein, les trouver demain, quand vous vous allez, c'est seule l'opinion à elle. Encore une fois, on pourrait dire aussi l'hypocrisie du Parti travailliste. Au cas par exemple, il y a des statistiques, des nombres d'arrestations qui finissent concernant ben case la drogue à l'époque et le nombre de cas d'arrestation, de ben saisie qui est là pendant sa période, surtout après la mise en place de la commission d'enquête sur la drogue. Quand on fait arrestation, quand on arrête Jimoun, qui peut faire trafic la drogue, il peut venir dire où, peut distribuer ticket de l'autobus, peut venir dire où, mais alors je ne comprends pas la position pour ce travail aujourd'hui. Est-ce que quand la police fait ce travail, il y a un problème? Est-ce que quand la police peut aller, peut faire une arrestation, peut faire une saisie, peut amener un combat contre sa fléau là, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est ça, position pour ce travail aujourd'hui? C'est qu'il laisse ben trafiquant la drogue opérer? C'est laisse la drogue continuer à circuler dans le pays. Mais moi, je suis un petit peu confus parce que moi, je connais que, au sein du gouvernement en tout cas, le Premier ministre, l'engagement qu'il prend, c'est pour amener la lutte contre la drogue. Et c'est ce qu'il peut faire. La police, aujourd'hui, il peut faire travail qui bien faire, il peut faire arrestation qui bien faire. Et surtout, on connaît quand il y a soupçon, quand il y a certaines ben informations, bien sûr, la police bien agir. Alors, peine à lieu de venir critiquer quand la police peut travailler, et surtout quand on aurait dit quand ça concerne la drogue, bizarre agir. Et bizarre agir avec force. Alors, peine à aucun compromis à faire par rapport à ben trafiquant, par rapport à ben ceux qui peuvent vendre ben poison à la population. Le parti travail, si elle va assumer les conséquences de ce position qu'il y peut prendre aujourd'hui par rapport à la salalite là, quand lit l'IP donne l'impression qui zopé soit d'un coup de main, soit zopé. Mon prend vis à vis un thème qui n'est pas approprié, mais avec position qui zopé prend, moi, je ne trouve pas la volonté de l'opposition du Parti Travail. C'est pareil comme on fait dans le passé pour faire le travail qu'il ne peut faire, pour amener la lutte qu'il ne peut faire. Bon, écoutez, remaniement, c'est prérogative du Premier ministre. Nous pas vous connaît. Et d'ailleurs, la question jamais finette évoquée, qui lit dans le bureau politique, qui lit dans différentes instances du parti, qui lit avec différentes réunions qui nous finissent gagner avec le Premier ministre. Pina nani dans ce sens-là. Je ne connais pas Côte Pégain et Ban Rimé. Et d'ailleurs, pas au 10 août, nous pétons ça. L'année passée aussi, non? L'année d'avant aussi. Alors, laisse-nous faire du travail. Nous finissons gagner ben, différents portefeuilles pour occuper. Et nous pouvons continuer à faire du travail. Quand Rémaniment pour venir,
Bien sûr, les pouvinier, vous acceptez. Moses, ça c'est un bout de la dent. Même s'il y a un éventuel remaniement, en tout cas, Pravin Kumar Jagnat, l'IEM du Premier ministre. Alors, il ne faut pas trop casser la tête avec remaniement. Le gouvernement a laboré sa messe avec ce à l'IEM. Nathan l'a rentré, nous guettons une côte. Et bien, du jour, il n'y a aucun nom. Il paraît que moi, camarade Sudesh, il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs, mais d'informations par un écho de sortie. Là, nous, dans une période de vacances parlementaires, Nathan l'a rentré, là, on va guetter. Nous sommes en temps et lieu. Bon, tous les temps, nous finissons à dire, le RSM, c'est un parti national. Tout est ouvert à tout le monde qui adhère à l'idéologie du MSM. Et si ben du monde là, je suis intéressé pour joindre le parti, ou peu importe qui s'en a envie, intéressé pour joindre le parti. Bien sûr, je te soumets cette demande et la direction du parti pour prendre une décision. Et nous toujours welcome, ben du monde qui a envie de donner un coup de main. Et la décision, là, c'est ben décideur du parti qui vous prend pour sur la question d'adhésion. Oui, toujours. Mais là, aucun problème de décider. Peut-être. À part sa carte, quand même, les autres encore, et d'un coup de main. Un moment partagé, nous garde une surprise, mais c'est qu'il m'a confirmé pour une encore démission au sein du Parti travailliste. Nous paierons nos partis. Soudesh Ndiaye aujourd'hui, vous connaissez, que ce soit la population, que ce soit même membre de les autres partis politiques, que ce soit même nouveau membre, ou soit même ancien élément de même grand parti, aujourd'hui, je peux trouver ce travail que le gouvernement peut faire, travail que MSM peut faire. C'est pour ça qu'on peut trouver un désintéressement avec ben les autres partis, un désintéressement avec manière de faire de la politique. C'est pour ça que tout ça série de démissions. Commencer avec un MMM. Combien de membres, semaine après semaine, ils démissionnaient. C'est ben régional qui peut démissionner en masse. Aujourd'hui, nous peut trouver la même chose, parti travailliste. Pas aucun mystère, ça. Il n'a sous raison. C'est parce que quand on fait la comparaison entre la façon de faire la politique de ben les autres partis et la façon de faire la politique de Pravin Kumar Jagnat et MSM, et surtout la manière de gérer le pays aujourd'hui, ben, il est clair que Saben Dimounla a un choix qui est tout à fait correct de s'aligner au rang du gouvernement, de s'aligner avec le MSM, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Adhésion par adhésion, en tout cas, Saben Dimounla, il est clair qu'ils ont épousé la philosophie MSM, je épouse les principes prônés par le Premier ministre, je épouse le travail qui peut être abattu par le gouvernement, par le parti et par le Premier ministre. À ce stade, nous prenons le Premier ministre pour en partance pour les Nations Unies la semaine prochaine, mais nous prenons plus d'informations par rapport à ça. Merci. On l'entièrement. Peut-être. C'est bien.